Et la Chine a également mis en œuvre une série de réductions d'impôts pour soutenir l'économie lors de la pandémie de coronavirus. Les derniers chiffres montrent que ces réductions d'impôts ont permis d'économiser plus de 900 milliards de yuans, ou environ 127 milliards de dollars américains, pour les entreprises et les consommateurs au cours des 4 premiers mois de 2020. Les déductions basées sur les mesures d'allègement de la pandémie de cette année ont absorbé la plus grande part du montant total. Le Bureau national des impôts a déclaré que de nouvelles baisses avaient réussi à accélérer la reprise économique en Chine. Les factures de taxes sur la valeur ajoutée ont montré que dans les 20 premiers jours de mai, le chiffre d'affaires au niveau national a atteint 97% du montant enregistré au cours de la même période l'an dernier.